Coach, good to have you here. How would you describe your opponent today? Coach, nous sommes ravis de vous avoir ici aujourd'hui. Comment est-ce que vous allez décrire votre adversaire aujourd'hui? Bon, merci bien. Moi, je crois que c'est un adversaire qui sait aussi jouer au ballon. Une très bonne équipe. Nous, également, on était venu dans le but de faire un bon résultat ici. Malheureusement, on est arrivé, on a eu tout le problème qu'il y a là avec l'entraîneur qui n'est pas enregistré, l'entraîneur qui est enregistré. Et vous savez très bien que si un père n'est pas là, la maison est vide. Donc, malheureusement, les enfants, la maison était vide et puis le voleur est venu entrer. Donc, c'est tout. Yes, the opponent is. We could say the opponent was a very good opponent. They know how to play. Unfortunately, we came here to have a good result to go home with, but we were faced with the issues of the coach not being registered in the system. And you know, in a house, when the father is not there, the kids are left alone. So you realize that the kids were left alone. The players were left alone in my absence. And that's what happened to us, and we considered 3 goals. But in the end, the opponent is a good opponent. Okay, a few checks I did prior to this game against Iswatchaman. So I realized that you've taken part in 2 prelims of the CAF Confed Cup. In all those games, you've ended up conceding a lot of goals against Jolly by our last game. And there isn't so much information about the team itself. I mean, for the benefit of people who will be watching this, what is the club's objective? Elect Sports. What is Elect Sports? What can you tell us about? Ok, donc d'après les petites recherches que nous avons faites, on s'est rendu compte que l'équipe d'aller. Bon, vous jouez d'habitude les confédérations, la Coupe de la Confédération, et vous avez fait 2 matchs en arrière. Le dernier match que vous avez fait ça contre le Djoliba du Mali, et on s'est rendu compte que bon, souvent là, vous concevez un peu de buts. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ou bien pour ceux qui ne connaissent pas beaucoup l'équipe, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant l'équipe TP Elect? Quel est l'objectif du club? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant, c'est-à-dire quelle éducation vous pouvez nous donner concernant le club un peu, surtout sur vos objectifs? Ok. D'abord, un rectificatif. Le dernier match qu'on a joué, c'est contre Jamalek du Caire et non Jolly Badi Mali. Donc, Elect Sport. So, just to correct, the last game we played in the Champions, the Confederation was against Jamalek of Egypt and not Jolly Badi. L'objectif de Elect Sport cette année, c'était de se qualifier. Ce qui est sûr, la première manche est partie, on a pris 3-0 ici. L'autre match va se jouer chez nous. Et on a vu l'équipe jouer parce qu'on était arrivé dans l'inconnu, connaissant pas l'équipe, connaissant pas comment ils jouent. Là, on connaît à peu près l'équipe parce que la première partie, comme je vous ai dit, les enfants étaient seuls. Ils étaient paniqués parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour les orienter. Là, en seconde partie, on les a parlé. C'était nettement mieux. Mais ce qui est sûr, il y aura un match retour très difficile pour eux également. OK, so yes, the objective of TP Elect this year especially was to qualify to the group stages. And that's the reason why we came here. That was the purpose for which we came here. We all watched the game. Like I said earlier on, the players were left alone in today's game. We conceded 3 goals. And there was nobody to guide them, there was nobody to lead them. But as we all can see, in the second after the first half, we went in to talk to them. And that was the result that we all watched in the second half. All I can say is that the second game is going to be a tough one for the opponents back in Yaoundé. And we have another 90 minutes to play, and I can tell you that it will be a tough one. Okay, so this is a player from their side, so you can direct some of the questions to him. My question is to the coach. Coach, I think after you went down by 1 man, you took charge of the game, rather. You played so well after you went down. Was it that in the first 45 minutes of the game, you showed your opponent so much respect? That was why in the first half of the game, you couldn't live up to the expectation and you considered that 3 goals earlier in the game. And my second question is, would you say that the first 11 players that you used in the game was a wrong choice? Because looking at the substitutes that you brought into the game, they were the ones that came to change the game. They changed the game so much.
that the game went your way a bit and you were creating a lot of chances. So would you say that you had your first in the very wrong and your substitutes right? And the first question that I asked, would you say you showed so much respect to your opponent? I think the two of them are just one question, so you just answer. Coach, on a l'impression que vous avez respecté l'adversaire dans les premières mi-temps. Et on peut dire, est-ce qu'on peut dire que vous avez respecté l'adversaire dans les premières mi-temps, vu que après que vous avez eu le carton rouge, que votre équipe a dominé le jeu. Et est-ce qu'on peut dire que dans la première mi-temps, est-ce que vous avez respecté l'adversaire? Et secondaire, est-ce qu'on peut aussi dire que ceux qui sont rentrés en deuxième mi-temps, on a l'impression que c'est eux qui ont changé le jeu. Est-ce qu'on peut dire que c'est eux plutôt qui sont les 11 rentrants, ou bien c'était une stratégie? Bon, d'abord, je voulais vous faire comprendre que sur le plan africain, Elec est au-dessus de cette équipe. Elec joue constamment la Coupe de la CAF, donc on n'a pas à avoir peur de cette équipe. Le problème, c'est comme je vous ai dit, les enfants, quand ils ont leur entraîneur, ils se comportent différemment. Nous, on respecte cette équipe, mais on n'a pas à avoir peur de cette équipe parce que ce n'est pas une équipe, sur le plan africain, il n'est pas encore au niveau de Elec Sport parce que chaque année, Elec Sport représente le pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, ceux qui sont entrés, on a travaillé un groupe et finalement, à deux jours de la compétition, la CAF nous a dit que certains de nos joueurs ne doivent pas prendre part. Et là également, on a laissé 10 joueurs à la maison qui n'ont pas pris. Les 10 joueurs-là, c'est eux qui nous ont même pris le titre de champion. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Donc, l'équipe là est préparée pour jouer. Même les remplaçants, c'est un problème de choix. Donc aujourd'hui, le choix est fait pour ceux qui sont sur le terrain, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Donc nous, on s'est préparé sincèrement pour venir se qualifier. On n'a pas besoin d'avoir peur de cette équipe parce qu'on connaît les grandes équipes du Ghana. C'est les Ashanti, les Sierra Zopok et pas Swatreman. Donc ceux-là, ils sont moins que Elec Sport. Ok, so yes, the issue didn't have to do with the fact that we respected them or were afraid of them. We had a bit of challenge in the first place. The squad that even won the league for us in the country, we had about 10 of the players that were not able to make it to the squad due to registration challenges. So yes, we had few time to prepare this squad to come and play, and we are still working on knowing them better and all that. That's the reason why you could say some of this. It's but like I said, we did coming to this game. We didn't know Swatreman very well. We didn't know them. And this game has given us a clear chance of knowing the team in Swatreman. And when it comes to the African stage, we believe that TP Elect is ahead of Swatreman because every year TP Elect plays Champions League. And every single year that TP Elect plays. And we all know, we are not saying that Swatreman is ahead of us and they are a big team than us, because we know the big teams in Ghana. And the big teams in Ghana are Asante Kotoko and Accra Hassenfolk. But Swatreman, it's our first time we are hearing about them. And then when it comes to Africa, we can say we are a bit ahead of them. Okay, we'll take two last questions. One to coach, one to the player. If none for the player, to direct the rest of the two to the coach. Okay. Hey, coach, quelle explication pouvez-vous donner à ce scandale qui vient de se dérouler, si je peux essayer de le qualifier, avec le professeur du match? Et j'ai aussi une question à Karl. Après avoir vu l'équipe jouer, peut-on avoir l'espoir de remonter le score au match retour? Merci. Okay, so the first question was to the coach. Coach, which explanation do you give to what happened here today? And the next question was to the player, which goes that looking at the Swatreman team play, can you tell us that going back at home or for the return leg, there is any hope back at home to equalize or maybe win the next game? Okay. Merci. C'est un scandale que je qualifierais de très grave parce que. Je suis surpris que ce soit ici qu'on me dise que je ne suis pas enregistré à la CAF. Pourtant, je suis l'entraîneur de U23 de notre pays. J'ai pris le U17, j'ai fait toutes les catégories. Personne ne m'a dit que je n'avais pas les qualificatifs pour être devant un match. Et ce qui m'a beaucoup fait mal, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé au Ghana. Le Ghana qu'on considérait comme un grand pays.
que ce scandale puisse se passer dans ce pays. Vraiment, je suis simplement désolé parce que pour moi, c'est, ça donne pas une bonne image de notre football africain. Si nous voulons que le football africain se développe, il est temps que nous gagnions normalement sur le terrain, que nous méritions notre qualification et non faire des combines qui sont pareilles. Sincèrement, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est indigne de notre continent. Quand un entraîneur, déjà avec l'équipe nationale, est là, et il entraîne l'équipe nationale et subitement il arrive dans un pays où on dit qu'il n'est pas qualifié. Vraiment, je ne sais pas quel mot employer, surtout que dans un pays que nous considérons beaucoup comme le Ghana. Okay, so the scandal had to do with the confrontation between him, the coach, and the match commissioner. And the explanation was like, for a coach who has been a national team coach, been with the U23, U20, very surprising to hear for the first time that he doesn't have registration in the system or he's not registered with CAF. And he's so sad, and because this is the very first time that is happening. To even say that it's happening in Ghana, in a country where Ghana is known for football, is very, very sad. It's very, very sad. Thanks. Ok, je vous remercie. Je vous remercie par rapport à la question posée. Nous, nous sommes toujours confiants. Ce n'est pas seulement qu'on a perdu 3-0 qu'on dit que non, c'est déjà l'autre à oublier. Nous, on connaît maintenant l'équipe. Et on connaît aussi notre qualité. On connaît aussi tout ce que les entraîneurs techniciens ils ont pour nous donner. Donc nous sommes toujours confiants. Dès qu'on rentre là, on se pose des questions pour faire comment pour renverser maintenant la vapeur. On fait tout de notre mieux pour qualifier et pour partir vers l'avant. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on joue les Champions League ou bien Confédération. On est toujours habitué. Et ça, c'est parce qu'on a perdu le match aller qu'on va dire que non, c'est bon. Non, non. On va se donner à fond et on va arracher notre qualification. On va rentrer maintenant tout. Merci pour votre question. Oui, we are always hopeful and. It is not because we've lost today's game that we will say it is a done deal. Right now, as we get back to the hotel, we are going to go and then have a tête-à-tête and have the conversation, have discussion, and see how we can do and get the needed result back at home. And we have been playing Champions League and Confederation Cup for a while now. So this is not anything that would discourage us. We'll go back home and then try and do our best. All right. So, okay. Last one. He has not asked. Yeah. Who is it going to? Is it a player or coach? The coach, I think. Let's pick the last one. Short one. For the player. Looking at today's game. Would you say you spotted some weaknesses in the Eswatini team that when you go in there, you are going to capitalize on if you have? I know it won't be okay for you to share, but how well are you going to prepare on that so that you come on? And my second question is, I know, are you going straight to charge or you are going to That's not a question for the player, though. Yeah. That's not a question for the player. Shortly. So, d'accord, la question est de savoir, est-ce que vous avez vu des failles dans l'équipe de Swatterman que vous allez utiliser dans le match retour? Sachant bel et bien que ce sont des informations que vous n'allez pas vouloir donner, est-ce que vous pouvez penser, est-ce que vous, si vous voulez, est-ce que vous pouvez donner ces infos-là et comment vous allez les utiliser? La seconde question est de savoir si vous allez directement au Tchad ou vous allez passer au Cameroun. Non, c'est que non. Toute équipe au monde, il y a ses points forts, il y a ses points faibles. Donc on a vu l'équipe jouer. Vous-même, vous avez constaté que la deuxième partie, on a pris le dessus. Donc on sait très bien qu'avec les aides de nos techniciens, on va faire vraiment de notre mieux pour renverser les vapeurs. Ça veut dire que les points faibles de l'équipe, nous on sait. Nos entraîneurs savent déjà. Donc les 3 ou 4 jours qu'on doit travailler, on sait très bien que non, on va mettre maintenant le travail au niveau de Yaoundé et puis on va préparer notre match pour que nous également, de notre tour maintenant, on va aussi renverser la vapeur. On va aussi utiliser chaque fois nos points faibles seulement. Non, on a vu déjà l'équipe, donc nous également, on va seulement utiliser toute la force possible pour être au-dessus de l'équipe sur le match retour. Et la deuxième question, ça veut dire qu'on quitte ici, on part à Yaoundé pour se reposer et préparer notre match retour en bonne et due forme. Okay, so every football club in this world has strength and has weaknesses. And that goes to the Swatterman team too.
we watch them today. Our coaches also watch them today. And a few, 3 or 4 days that we are going to have ahead of the game, we are going to work together with the coaches to make sure how we can also capitalize. The same way they also capitalize on our weaknesses and scored us the 3 goals, we are also going to work on our weaknesses and capitalize on that and make sure we can also change the scores back in Yaounde. The second question says, goes that, right from here in Ghana, we are going straight to Yaounde.